Le constat est simple. Nous faisons une utilisation abusive de la voiture en ville, en particulier sur les courts trajets. Faire 500 mètres à pied ne prend que 8 minutes. 60% des déplacements se font en voiture particulière, et notamment pour acheminer tous les jours les enfants à l'école. Un trajet en voiture sur deux en ville est réalisé sur une distance inférieure à 3 km. Sur ce constat s'est construit l'écomobilité scolaire, pour tout simplement renverser la logique du tout automobile au profit d'autres moyens de déplacement, transport en commun, vélo, marche, et permettre ainsi à nos quartiers de gagner en qualité de vie. Tout le monde connaît les embouteillages qui sont créés par les automobilistes lorsqu'ils déposent ou viennent chercher leurs enfants à l'école. Ces embouteillages créent de la pollution atmosphérique, des émissions de gaz à effet de serre, une surconsommation d'énergie. C'est la raison pour laquelle l'ADEME et l'ARENH se sont associés pour proposer aux collectivités locales un système de déplacement qu'on appelle aussi écomobilité. Ces systèmes d'écomobilité sont adaptés aux collèges, aux écoles et aussi de manière plus spécifique aux étudiants. Renverser la tendance du tout automobile avec l'écomobilité, c'est pour les parents et leurs enfants agir pour leur santé, en encourageant une activité physique régulière, restaurer de la convivialité, améliorer la sécurité sur les trajets vers l'école, pour finalement retrouver une qualité de vie pour tous. Sur un plan global, c'est réduire nos consommations d'énergie et lutter contre les changements climatiques. L'ARENH coanime avec l'ADEME Île-de-France et le Conseil régional un réseau partenaire pour l'écomobilité de l'école à l'université. Pourquoi un réseau ? Parce que les acteurs engagés ont besoin d'échanger leurs expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Cela se concrétise par des visites, des forums, des fiches pédagogiques, un kit « Je m'éco-transporte ». Le management de la mobilité agit pour encourager les changements de comportement de déplacement. Il s'inscrit dans les politiques de transport, d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un vaste domaine d'innovation. Écomobilité scolaire, mais aussi nouvelles organisations avec les plans de déplacement d'entreprise, nouvelles pratiques de déplacement et nouveaux métiers liés au conseil en mobilité. Il bénéficie de l'existence d'une plateforme européenne sur le management de la mobilité, EPOM, et d'un réseau d'acteurs en Île-de-France, partenaire pour l'écomobilité, de l'école à l'université. C'est aussi une manière de se réveiller, de s'oxygéner le cerveau et d'arriver en classe en étant plus détendu qu'en arrivant stressé après un parcours automobile. L'ARENH a réalisé avec des partenaires dont l'ADEME un certain nombre d'opérations pilotes. Ces opérations pilotes étant concluantes, le Conseil régional a repris cet objectif et en 2006 a adopté une délibération qui amène un soutien financier de la région à la fois à l'élaboration des plans de déplacement, en travail avec les collectivités ou les équipes pédagogiques des établissements scolaires. Enfin, la région finance les aménagements de voirie nécessaires pour que les élèves puissent circuler en sécurité entre leur domicile, l'école, le collège, le lycée ou l'université. Et après le collège, les lycéens et les étudiants sont-ils encore réceptifs à l'écomobilité ? Alors que les distances s'allongent, quels moyens de transport utilisent-ils pour venir sur leur lieu d'enseignement ? Je suis venu en RER. En RER ? C'est pas super facile parce que je suis obligé de venir en voiture. À métro, tous les jours à métro. Enfin, si on a une conscience un peu écologique, on se dit bah autant prendre des transports en commun. C'est poliment quoi. Je pense qu'on va se retourner vers ce mode économique et on va prendre nos pieds. Les études montrent que les jeunes sont très sensibles aux enjeux du développement durable. Reste que le passage de l'adolescence à l'âge adulte se traduit par une plus grande indépendance, parfois marquée par l'acquisition d'un véhicule motorisé, oubliant alors les bonnes pratiques acquises lors des années précédentes. De nombreuses initiatives témoignent de la prise de conscience des étudiants de mieux s'organiser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'association Voiture Éco du campus de Nanterre en est un bon exemple. Nos actions, ça va sur plusieurs thèmes, notamment l'information
où tout un chacun peut venir se renseigner sur les transports en commun, l'environnement, le conseil en mobilité personnalisé, où on fait vraiment un bilan complet des déplacements d'une personne, et dès que c'est possible, lui proposer de passer à des modes de transport plus durables, plus écologiques, moins émetteurs de CO2, plus économiques aussi. On va leur dire, ces transports Montpellier, nous on vous les propose. Donc ça peut être une solution de covoiturage. On va inscrire une personne dans notre base de données, on va la mettre en contact avec d'autres personnes qui font les mêmes trajets aux mêmes horaires. Et ça peut être aussi de la location de vélo. Et puis si quelqu'un vient nous dire « Ah, le vélo, c'est très bien, ça m'aiderait beaucoup pour aller au travail, par exemple, ou autre, pour mes loisirs, mais par contre, je ne sais pas en faire, et on va lui proposer de s'inscrire à nos cours de vélo. » Et quelque chose qu'on a développé aussi énormément, c'est les actions auprès du public scolaire, collégien, lycéen, et même étudiant, évidemment, ce qu'on appelle l'écomobilité scolaire, c'est-à-dire qu'on intervient dans des établissements pour sensibiliser les élèves ou les étudiants sur les questions d'écomobilité. Lorsque nous construisons ou rénovons des établissements scolaires, des lycées, nous avons le souci de les voir sur les transports en commun, d'avoir une accessibilité aux transports en commun, mais aussi permettre à nos enfants, à nos élèves, de venir en vélo. Nous construisons également à l'intérieur de ces établissements des parcs à vélo sécurisés. Mais aussi, pour venir, nous avons des pistes cyclables pour leur permettre de venir, mais pour venir en toute sécurité. Nous avons signé des conventions avec différents partenaires pour les éduquer à la citoyenneté et à la sécurité routière. Le réseau partenaire pour l'écomobilité de l'école à l'université a été créé pour aider les acteurs franciliens, collectivités, associations, acteurs de l'éducation, à s'engager dans des démarches de management de la mobilité. Rejoindre le réseau, c'est bénéficier d'un accompagnement de votre projet avec les conseils, les informations et les outils indispensables. C'est aussi avoir la possibilité d'échanger des retours d'expérience et de partager les bonnes pratiques. Le réseau vous apporte donc les clés pour lancer et réussir votre démarche et mobiliser les acteurs de votre territoire. Écoliers, parents, enseignants et collectivités ont ouvert la voie du management de la mobilité en Île-de-France. L'enjeu est désormais d'arriver à généraliser et déployer ces démarches sur la région, de les enrichir constamment de nouvelles idées, puis de les élargir à d'autres générateurs de trafic comme les entreprises et les centres commerciaux ou administratifs. Parce que la mobilité nous concerne tous, chacun se doit d'agir.